Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous montrer trois bons livres que j'ai achetés. Alors je ne les ai pas tous finis, il n'y a aucun de ces livres que j'ai fini, mais c'est des livres, certes, c'est des livres connus, mais c'est des livres que je vous conseille. Si vous voulez, si vous ne savez pas quoi lire dans les prochaines semaines, c'est des livres que je vous conseille. Du coup, sans perdre plus de temps, on va directement commencer. Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce qui fait plaisir. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Cliquez sur la petite cloche des notifications, très très important pour ne rater aucune vidéo. On est directement parti pour mes conseils sur trois bons livres. Allez, c'est parti. Alors, premier livre que je vous conseille vivement Les Aventures de Tom Sawyer. C'est un livre de Mark Twain. Certes, c'est un vieux livre qui date du 19e siècle. Oui, 19e siècle. Mais c'est un très bon livre. Alors, je vais vous faire un court résumé. Tom n'aime rien tant que l'école buissonnière, les expéditions avec ce voyou de Huck, la vie de pirate sur l'île du Mississippi, sans oublier la petite béquille. Mais sa tante Pauline ne voit pas cela d'un très bon œil. Et si elle apprenait que Tom et Huck, cachés dans un cimetière pendant une terrible nuit, ont assisté au meurtre d'un homme? Du coup, ça, c'est le résumé du livre des aventures de Tom Sawyer. Comme vous pouvez le voir, il y a mon marque-page. C'est un livre de Mark Twain que ma grand-mère m'a acheté. Mark Twain, il a aussi sorti Les Aventures de Huckleberry Finn, du coup le voyou qui traîne avec Tom Sawyer. Mais le livre, je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas sur moi, mais j'ai que Les Aventures de Tom Sawyer. C'est l'un des livres les plus connus de Mark Twain. C'est même le livre le plus connu de Mark Twain pour moi. Et du coup, je vous conseille ce livre. Il est pas très très long. Bon, il fait quand même plus de 400 pages, mais il n'est pas très très long. Et voilà, je vous conseille vivement Les Aventures de Tom Sawyer si vous n'avez rien à lire. Et voilà, c'est un livre aussi d'aventure. On va suivre les aventures de Tom Sawyer avec Huckleberry Finn qui apparaît plus tard dans le livre. Mais au début, c'est Tom Sawyer, et du coup, je vous conseille ce livre. C'est à partir de 10 ans pour le lire. Du coup, Les Aventures de Tom Sawyer de Mark Twain, c'est un très bon livre. Et du coup, c'est un très bon roman. J'ai oublié de le préciser, mais c'est un roman. Et du coup, voilà, si vous n'avez rien à lire pour le week-end, je vous conseille d'acheter Les Aventures de Tom Sawyer. Je pense que vous le trouverez dans vos librairies les plus proches. Et du coup, voilà. Je vous conseille pour commencer Les Aventures de Tom Sawyer de Mark Twain. On va directement passer au prochain livre que je vous conseille. C'est parti. Alors, deuxième livre. Pour ce deuxième livre, on sort de la catégorie des romans car ce n'est pas un roman. Je vous conseille Le Journal d'Anne Frank. Alors, j'avais fait une vidéo sur Anne Frank justement il n'y a pas très très longtemps. Et du coup, je me suis pris Le Journal d'Anne Frank il n'y a pas longtemps, samedi, et je me suis dit pourquoi pas vous le conseiller aussi. Du coup, il n'est pas très très long non plus, il fait moins de 400 pages. Je vais vous lire un court résumé. Je vais pouvoir, j'espère, te confier toutes sortes de choses comme je n'ai encore pu le faire à personne, et j'espère que tu me seras d'un grand soutien. Alors, le journal d'Anne Frank, c'est le journal où Anne Frank, du coup, le personnage principal va raconter un peu sa vie durant la Seconde Guerre mondiale, car la Seconde Guerre mondiale, c'était vraiment un temps dur à l'époque, de 1939 à 1945. Et du coup, je me suis pris Les Aventures de... Enfin, qu'est-ce que je réponds? Le Journal d'Anne Frank. Parce que je voulais absolument suivre Les Aventures d'Anne Frank. Du coup, il y a mon marque-page. J'ai pas fini le livre, évidemment. Mais je compte bien le lire. C'est vraiment bouleversant. Sachant qu'Anne Frank est décédée à seulement 15 ans avant qu'elle ne puisse terminer son livre. Du coup, c'est son frère, qu'est-ce que je raconte, c'est son père Otto Frank qui l'a fait publier pour rendre hommage à sa fille décédée. Et du coup, les aventures, enfin le journal d'Anne Frank, c'est un livre que je vous conseille pour savoir comment ça s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale avec les nazis, l'occupation des nazis aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre que je vous conseille, le journal d'Anne Frank, pour suivre les aventures d'une jeune Allemande juive durant la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, sachant qu'elle est décédée à 15 ans. D'ailleurs, c'est l'un des livres les plus vendus avec 30 millions d'exemplaires. Mais je crois que je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo spéciale Anne Frank, que je vous invite à aller voir justement. Et on passe directement au prochain livre que je vous conseille. Et du coup, au dernier livre que je vous conseille. Allez, c'est parti.
Du coup, pour finir, je vous conseille, c'est un livre très très connu, c'est un livre de Charles Dickens, je vous conseille bien évidemment Oliver Twist. Alors, vous voyez, j'ai presque fini le livre, enfin presque fini, il reste quand même plus de 200 pages, mais là je suis à la page 275 au chapitre, j'ai dépassé le chapitre 20, là je suis à l'édition collector du livre, je me suis pris il y a quelques semaines Oliver Twist, et du coup j'ai déjà lu tout ça. Comme vous pouvez le voir, il me reste un peu plus de la moitié, mais voilà. Alors, je vais vous faire un court résumé. Exploité plutôt qu'élevé dans un orphelinat, Oliver endure les privations et les brimades. Au comble du désespoir, il choisit de s'enfuir dans les bas-fonds de Londres et trouve refuge parmi une bande de jeunes pickpockets agissant pour le compte du vieux Fagin. À cette école du crime et du vice, Oliver apprend tous les ruses pour fausser compagnie à la misère. Présumé coupable d'un vol qu'il n'a pas commis, il est recueilli comme son propre fils par le vieux monsieur Brownlow, mais la bande de Fagin le retrouve et le force à participer à un cambriolage. Du coup, voilà un peu un court résumé d'Oliver Twist de Charles Dickens. C'est l'un des livres les plus connus d'Oliver Twist. C'est un long roman, alors il faut vraiment avoir de la patience car le livre, attention, il fait plus de 630 pages. Du coup, il fait plus de 630 pages, il faut avoir de la patience pour lire tout Oliver Twist, mais voilà, c'est l'un des livres les plus, l'un des romans les plus connus de Charles Dickens, et du coup je vous le conseille même s'il est long. Alors si vous voulez pas lire un livre de plus de 500 pages, je vous conseille Le Journal d'Anne Frank ou encore Les Aventures de Tom Sawyer. Mais voilà, c'est moi j'ai pris à 8,95 € parce que c'était l'édition collector, mais vous pouvez trouver d'autres versions du livre Oliver Twist en plus court aussi. Je crois qu'il y a en plus court, mais je sais pas où. Moi j'ai pris l'édition collector parce que c'était la seule qu'il y avait dans la librairie où j'étais allé. Mais bref, du coup, je vous conseille Oliver Twist de Charles Dickens. Du coup, on touche directement à la fin de la vidéo. Je vous ai conseillé Les Aventures de Tom Sawyer, Le Journal d'Anne Frank et Oliver Twist. Du coup, on touche directement à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai conseillé 10 livres. 10 livres, 2 romans et un journal intime. Du coup, je vous ai présenté ces livres. J'espère qu'ils vous auront plu, que je vous aurai donné envie de lire en faisant cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce qui fait plaisir. Comme ça, je continuerai les vidéos. Peut-être la prochaine fois que j'aurai de nouveaux livres, je vous conseillerai ces nouveaux livres que j'aurai achetés. Du coup, on te dit directement à la fin de la vidéo. Voilà, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait pour plus de vidéos du style, plus de vidéos de conseils, comme ça, où je vous conseille des livres, des films, etc. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, très important pour ne rater aucune de mes vidéos. Sinon, moi, je vous dis, c'était Bruce de Boy Gaming, où je vous ai conseillé 3 livres. Et sinon, moi, je vous dis, ciao tout le monde.